Omar, on est déjà sur Facebook. On est déjà sur Facebook ou donc je me tape des voix dès que je suis ce côté là. Assalamu alaikum, bienvenue à cette édition de Link for In. Il y a Tabarna Olmara, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, Link for In est une succession de webinaires, d'événements en ligne qui vont déboucher sur, sur un grand événement très très vite à la rentrée. C'est un événement qui parle de ce qu'on appelle Open Innovation. On parle de cette relation entre les startups, bien évidemment, et les grands groupes, entre cet écosystème innovant, agile, et cet écosystème qui a peut-être certes moyens, qui a cette expérience, et le mélange des deux fera certainement des miracles pour l'économie tunisienne. Et cette économie tunisienne, un tissu industriel très, très important, qui aujourd'hui pourrait connaître certains problèmes ces prochaines années, sachant que ce tissu industriel dépend en partie, dépend partie peut-être d'un tissu industriel européen et bien sûr étranger, qui souvent est en train de faire sa transition, de mener sa transition technologique vers ce qu'on appelle une industrie 4.0. Donc, où en sommes-nous justement? On va parler d'industrie 4.0, d'action stratégique tout à l'heure avec notre keynote speaker, la GIZ Tunisie. On aura des témoignages de collaboration entre des entreprises et des startups. On aura comme d'habitude, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, une séance de pitch de startups qui vont présenter leurs solutions à ceux qui nous qui soient des entreprises ou des acteurs économiques. Et puis, on aura également, comme à chaque fois, un témoignage ou une sorte de pitch entreprise. Alors, je vais vous présenter juste en quelques instants le programme, mais pour commencer, je vais tout de suite céder la parole au président de la Fédération nationale du numérique à l'UTICA, M. Qais Salemi, suivi de Mme Emel Seyden, présidente de Tunisia Startups. On commence par vous, M. Salemi. Merci, Sébastien. Merci à tous les participants. Merci aux intervenants et à nos partenaires. Donc, comme tu viens de dire, Link for In, c'est déjà aujourd'hui, on est déjà à la sixième session. Et le principe, c'est donc de mettre en relation des startups innovantes, des entreprises innovantes, dans un secteur, sur un secteur donné, avec un secteur économique, on peut dire classique, donc avec un secteur économique qui peut être dans l'agriculture, dans la santé, dans l'industrie. Et on est vraiment en plein dans l'open innovation. L'objectif final et ultime, c'est de dans cette mise en relation, c'est de permettre justement à l'entreprise du secteur donc, d'innover, d'adopter le digital dans son propre business, dans ses propres activités. Et en même temps, bien sûr, de permettre aussi aux startups d'avoir des cas d'usage réels, concrets, en Tunisie. On n'arrête pas de dire, on n'arrête pas de parler de transformation digitale en Tunisie, mais là, on est vraiment dans le concret. Aujourd'hui, on est dans une session consacrée à l'industrie 4.0. Effectivement, l'industrie, on ne peut plus imaginer aujourd'hui une industrie sans digital, sans numérique. Et on ne doit pas s'arrêter, arrêter de marteler cela. On a commencé peut-être à le faire depuis un an, mais je pense qu'on est encore à un stade insuffisant. Beaucoup d'industriels en Tunisie, n'ont pas encore compris vraiment l'importance, la vraie importance digitale pour ses propres activités, pour son vrai business, leur vrai business et leur développement aussi bien au niveau national qu'international. Et donc, c'est pour ça que c'est justement la deuxième session qu'on consacre aujourd'hui à l'industrie 4.0. On a fait des sessions, donc, pour rappeler, donc, des sessions sur la santé, sur les finances, sur le retail, sur l'agro et l'agroalimentaire, mais l'industrie 4.0 prend une part très importante et deux ou trois sessions le méritent largement. C'est une action, c'est une initiative Link for In que nous faisons, que nous menons en tant que Fédération nationale du numérique de l'UTICA en collaboration avec l'UTICA Startup, et mon ami donc Amel en parlait, et je pense, je remercie aussi nos partenaires dans cette initiative qui sont la GIZ. Et je salue ici Limjewi qui va être keynote speaker. Donc GIZ qui nous soutient dans cette initiative depuis le départ. Et puis, bien sûr, nos partenaires
Fiat Foundation et Orange qui nous ont accompagnés aussi dans cette initiative. Donc voilà, je termine par remercier les intervenants, les différentes startups que tu as citées, Wassim, et le couple et entreprise startup, et bien sûr entreprises et groupes d'essai en particulier, je pense qu'ils vont aussi témoigner, ils vont aussi donner leur que ce soit leur innovation ou leurs besoins en termes d'innovation digitale. Je remercie et bonne session, et bonne sixième session, et bonne session Industrie 4.0. Merci. Merci, M. Salemi. Comme je l'ai annoncé, donc, la parole est à vous, Mme Amesiden, présidente de Tunisian Startups. Merci beaucoup. Merci Wassim, merci Kaïs pour l'introduction. On est ravis de rencontrer, de se retrouver autour de ce dialogue, cette connexion entre les différents acteurs de l'économie tunisienne autour d'un sujet aussi important et aussi critique pour l'économie tunisienne. Le sujet de transformation digitale n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui, vu le développement économique actuel de la Tunisie et les pistes de développement possibles, les portes de sortie et de développement et de sauvetage de l'économie tunisienne qui, à notre avis, passe nécessairement par la transformation digitale, surtout dans le domaine de l'industrie, qui est très intégrée dans les chaînes de valeur internationales, avec des partenaires européens qui se transforment, avec des acteurs internationaux qui se développent très rapidement dans le numérique. Et quand on parle de numérique, quand on parle de digital, on parle forcément des acteurs de l'innovation. Les startups, un écosystème qui se développe avec une vitesse exceptionnelle en Tunisie, avec presque 500 startups labellisées aujourd'hui, avec un écosystème qui se structure, qui se développe très rapidement, avec Tunisian Startups, qui est l'association qui donne une voix à l'écosystème entrepreneurial, à l'écosystème de startups en Tunisie, qui œuvre à connecter, à fédérer les acteurs de l'écosystème. Et qui n'a qu'à fédérer et connecter, ce n'est pas uniquement les startups entre elles, mais surtout les acteurs, les enablers de l'écosystème, et donc l'industrie, l'entreprise avec la startup, parce que c'est uniquement en collaborant que les deux vont trouver leur salut, le développement, la prospérité. Et donc, c'est à travers, justement, dans cette vision, ce que s'inscrit Link4In. Et on salue réellement les partenaires de cette initiative, la Fédération du numérique de l'Utica, mais aussi les partenaires qui nous aident à réaliser cette ambition, la GIZ, surtout en tant que partenaire de Tunisian Startups, mais un partenaire facilitateur, support de Link4In, et stay tuned parce que Link4In a des ambitions de se développer davantage. Notre proof of concept s'est étalé sur l'année passée, mais on a des ambitions parce qu'on a vu que ça marche, on a vu que ça crée du business, pas uniquement de la connexion, mais du vrai business. Il y a des contrats qui ont eu lieu ou qui ont été signés suite à des rencontres qui ont eu lieu dans les séances de rencontres B2B de Link4In. Et donc, c'est la vraie création de valeur qu'on cherche à travers cet effet de connecting the dots. Donc, stay tuned, il y aura du nouveau. Voilà, bonne session et enjoy creating value and generating business. Merci beaucoup. Merci à Madame Amel Saïden, présidente de Tunisian Startups. Tout de suite, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je vais très très rapidement donner le programme. Donc, nous allons avoir dans quelques instants notre keynote speaker, Madame Ali Boujewi de la GIZ Tunisie. Elle parlera des actions stratégiques de la GIZ sur l'industrie 4.0, transformation digitale. Le centre digital, etc. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et puis, on aura cette fameuse session de témoignage de collaboration entreprise-start-up. Et donc, on aura M. Omar Ben Masoud, directeur d'exploitation de Masoud, l'enseigne de pâtisserie Masoud, avec M. Walid Chibi, CEO de TDS, Tunisia Development Systems. Ensuite, après ce témoignage de couple, on aura la session de pitch, de pitch start-up. Et dans cette session, donc, on aura trois startups. On va commencer par M. Meher Chakroud, CEO de Optima Logistique. On aura M. Khaled Ben Yahya, CEO de SAM, Test and Automation. Et M. Kalim Khalad, CEO de B-Wireless Solutions. Et peut-être qu'il sera remplacé par M. Issam Jouad, que je vois là. Ensuite, last but not least, on aura notre pitch
entreprise et ça sera Monsieur Mohamed Mensi, CEO de ITC Group. Mais tout de suite, je vais donner la parole à Madame Elim Bjewi de la GIZ Tunisie qui va nous parler des actions stratégiques de la GIZ en matière d'industrie 4.0, ce qui est transformation digitale. Comme je disais, elle va nous parler du centre digital, etc. Voilà, je vais, sans plus tarder, je vais donner la parole pour quelques minutes. Merci beaucoup, Essim. Très ravie d'être merci parmi vous. Et merci à Amel, à Salemi pour l'introduction. Donc, on est très content d'être aujourd'hui avec vous, avec un focus très spécifique qui est l'initiative vers une industrie 4.0 en Tunisie, qui est dans le cadre du programme transformation digitale de la GIZ en Tunisie. Donc, j'ai préparé une petite présentation pour vous donner une idée sur cette initiative, qu'est-ce qui a été accompli depuis le début. Et qu'est-ce qui va venir? Aussi les nouveautés, parce qu'il y en a. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Et donc, voilà, c'est une initiative, au fait, qui a été entamée depuis novembre 2018 en appui au ministère de l'Industrie qui est responsable de cette initiative. Donc, on sait très bien que l'industrie 4.0 est un enjeu majeur pour le monde et pour la Tunisie aussi. Donc, il s'agit d'une initiative ambitieuse qui a été, qui aspire à vraiment un réel changement au sein de l'industrie tunisienne pour la rendre plus concurrentielle et compétitive à l'échelle internationale. Et depuis novembre 2018, nous avons entamé un plan d'action qui est réparti sur trois axes de travail. Donc, nous avons un axe de sensibilisation, un axe d'implémentation et un axe de vision stratégique. Et au niveau de chaque axe, nous sommes en train d'évoluer en parallèle. Donc, dans l'axe de sensibilisation, ce que nous faisons, nous soutenons des manifestations comme le League for In aujourd'hui pour sensibiliser les différents groupes cibles qui sont principalement les entreprises, donc l'industrie manufacturière classique, mais aussi les fournisseurs intégrateurs de solutions technologiques qui vont se rencontrer et travailler ensemble sur le développement de solutions innovantes et concrètes. Le milieu académique aussi, c'est important de le sensibiliser, qu'il soit avec nous dans différentes manifestations. Et nous avons organisé le salon Smart Industry avec l'API, nous avons soutenu des hackathons, des challenges et organisé des voyages de délégation dans cet axe de sensibilisation qui est très important. Au niveau de l'axe d'implémentation, je dirais que le principal objectif ici, c'est de développer des services qui sont pertinents pour accompagner cette transformation vers l'industrie 4.0. Et ça passe aussi par le soutien à la création ou le soutien à des startups existantes ou la création de nouvelles startups qui maîtrisent des technologies innovantes pour l'industrie. Maintenant, au niveau stratégique, on aspire à créer un réseau pour développer et aboutir à une stratégie nationale pour l'industrie 4.0 en Tunisie. Et ce que vous voyez ici, c'est la structure de gouvernance actuelle. Donc, son objectif, c'est d'assurer le pilotage de l'initiative et de renforcer des axes stratégiques prioritaires que nous jugeons très, très importants à renforcer actuellement. Donc, nous avons des task forces qui travaillent sur des thématiques spécifiques. On a une task force qui s'intéresse aux mécanismes de financement. Une autre qui s'intéresse à l'avenir du travail à l'ère de l'industrie 4.0 et à l'identification des compétences nécessaires. Et la troisième s'intéresse au renforcement de l'écosystème industrie 4.0 local en Tunisie et à l'accompagnement des entreprises. Donc, tous ces comités que vous voyez et task force sont représentatifs de l'écosystème tunisien, important à être intégrés au niveau de ces différents comités. Nous avons différents ministères avec nous. Nous avons les fédérations d'entreprises, l'UTICA, Connect, nous avons les technopoles, les centres techniques avec nous et les centres de compétences. Tout ça pour arriver à avoir une structure pérenne, on va dire, pour cette initiative. Maintenant, au cœur de notre initiative, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'axe d'implémentation où on veut vraiment sortir avec des services pertinents pour accompagner cette transformation de notre industrie. Et nous avons créé deux centres de compétences localisés à Sousse et à Sfax qui sont actifs maintenant depuis plus d'un an.
et qui offre des services de soutien aux entreprises de différents niveaux. Donc, ça va de la sensibilisation, le conseil, l'orientation, le matchmaking, mais aussi avec des services plus spécifiques qui sont le diagnostic du niveau de maturité de l'entreprise, donc le readiness check, ou un diagnostic détaillé à travers lequel on identifie des projets pilotes et où les centres sont là aussi pour accompagner l'implémentation de solutions et la conduite du changement qui vient avec. Ils offrent aussi des services de formation et tout cela, nous sommes en train de le développer en collaboration avec le Fraunhofer Institute donc de Stuttgart, Fraunhofer IPA, qui est un centre de recherche appliquée en Allemagne. Maintenant, l'objectif aussi dans cette deuxième phase de notre initiative qui va durer jusqu'à donc l'accompagnement de la GIZ dans le cadre de cette initiative dure jusqu'à 2023. Donc, dans notre plan d'action actuel, nous avons des nouveautés qui sont les centres relais Industrie 4.0 et à travers lesquels on aimerait accompagner un plus grand nombre d'entreprises avec des niveaux de services, on va dire, des niveaux de services qui sont maintenant faciles à transférer, qui sont le diagnostic de maturité industrie 4.0. Et nous sommes en train de développer ces centres relais pour avoir une idée précise sur le niveau de maturité d'un grand nombre d'entreprises en Tunisie. Donc, avoir le plus grand échantillon, on va dire, d'entreprises diagnostiquées. Et ces centres relais sont en cours de développement dans trois nouveaux sites de Technopole qui sont Bizerte, Monastir et Sidi Tefouti. Aussi, par souci de proximité et d'efficience, nous développons aussi un point d'ancrage à Tunis qui s'appellera le Hub Industrie 4.0 et à travers lequel il y aura toujours l'animation de l'écosystème, le renforcement de l'implication des PME industrielles, de nos fournisseurs intégrateurs technologiques dans des activités de sensibilisation, de matchmaking. Mais le plus important au niveau du hub, et ce que nous souhaitons mettre en place maintenant, c'est d'arriver à garantir la pérennisation de l'initiative Industrie 4.0. Donc, parmi les activités prévues au niveau du hub, il y aura le suivi de la réalisation des centres de compétences, des centres relais. Donc, on va assurer un suivi à travers cette entité, développer des partenariats stratégiques nationaux et internationaux et appuyer des programmes d'incubation et d'accélération de solutions Industrie 4.0 avec l'écosystème. Et gérer aussi les activités des task forces qui sont en place actuellement. Je vous remercie pour votre attention et moi ainsi que toute l'équipe sommes là pour répondre à vos questions si vous en avez ou apporter un complément d'information. Donc n'hésitez pas à être en contact avec nous en utilisant les coordonnées que vous voyez et je vous remercie. Merci à vous, Madame Djewi de la GIZ. C'était une vraie présentation, mais fort intéressante, des actions stratégiques de la GIZ en matière d'industrie 4.0, donc c'est-à-dire l'importance du sujet. Nous allons peut-être revenir tout à l'heure s'il y a quelques interactions, mais on va avancer par rapport à notre programme. Merci encore, Fatik Sahara. Je parlais d'un témoignage d'une collaboration entreprise-start-up. Avant de céder la parole à M. Walid Chebbi, qui est CEO de TDS, Tunisia Development Systems, qui est en partenariat avec les pâtisseries Masmoudi. Nous allons vous présenter une vidéo qui nous a été communiquée par M. Ahmed Ben Masoud, qui est directeur d'exploitation des pâtisseries Masmoudi. On regarde ensemble et puis on enchaîne avec M. Walid Chebbi. On demande à la régie de lancer la vidéo. Aslama ou marhaba bikoum, Omar Ben Masoud, directeur d'exploitation fi Patisserie Masmoudi. Tassat Patisserie Masmoudi sanat 1972 min taraf al marhouma Moufida Masmoudi, ou li kan lha fadl kbir fi tatwir mahnat sina'at halawat taqlidiya fi Tunis. Lyoum fadl tatwir al mahna wa istamal ahdath teknolojiyat al taswiq wa al ittisal al raqmi tmakkana min iktisah adid al aswaq fi al kharij. Ou l haja li ma yarfouhach aghlab al hurafa li ahna qa'din نطوروا بطريقة مستمرة في أساليب الإنتاج
ولو مانجمنت لا كاليتي. هذا بطبيعه مع المحافظه على طابع تقليدي للحلويات. بحكم انه شركه حلويات مصمودي دائما رايده في ميدانها، قاعدين نخدموا مع لو سنتر دو كومبيتونس اون اندستري 4.0 بصفاقس في اطار الثوره الصناعيه الرابعه. الحقيقه صارت عده اجتماعات اوليه مع المسؤولين والخبراء لي زيكسبير دو سنتر، وحضرنا برنامج عمل. برنامج عمل هذا الهدف نتاعو لا ميز اون بلاس دي نوفيل تكنولوجي اون اندستري 4.0. هذايا باش يساهم في اولا التحكم في الكلفه وتحسين القدره التنافسيه للشركه، ثانيا مضاعفه الانتاج والانتاجيه. هذايا ما نجمو نوصلو له كان من خلال لا ديجيتاليزاسيون دو لا شين دو برودكسيون اي لا كونيكتيفيتي انتر لي بوست دو ترافاي. لي بوست دو ترافاي هذوما يجمو يكونوا سواء بطريقه اليه او يدويه، والطريقه اليدويه هذه فيها طابع فني اللي ما نجموش نتخلاو عليه واللي هو اساس جوده حلويات المصمودي. عندنا قناعه كبيره انه تقنيات الثوره الصناعيه الرابعه باش تساهم في تحقيق توازن المعادله ما بين الطابع التقليدي لحلويات المصمودي ومواكبه اخر تقنيات الصنع واساليب الاداره. Voilà, donc c'était une vidéo. Merci beaucoup à Omar Ben Massoud qui a tenu à être avec nous malgré un empêchement avec cette vidéo. Ça, c'était pour la partie, la vision de côté pâtisserie. Côté pâtisserie Masmoud, comme vous l'avez vu, on ne se doute même pas peut-être qu'une enseigne de pâtisserie puisse être autant équipée de technologies et qu'elle puisse vraiment parler aujourd'hui d'industrie 4.0. Et on sait qu'il y a pas mal d'autres projets, peut-être que la vidéo ne permettrait pas. Une simple vidéo de 2 minutes ne permettrait pas de découvrir. Il y a pas mal d'équipements technologiques en exploitation chez cette enseigne de pâtisserie. Mais on va en savoir un petit peu plus avec l'un des partenaires technologiques de cette enseigne, de l'enseigne de Masmoudi. Je parle de M. Walid Chebbi, CEO de Tunisia Development Systems. La parole est à vous, si Walid, pour vous parler un petit peu de votre partenariat, de votre expérience avec cette grande enseigne de pâtisserie. Merci, si aussi. Merci pour cette invitation et pour ce témoignage. Donc, j'aimerais un peu revenir un peu en arrière pour mettre en place le cadre de collaboration. Donc, nous, on travaille déjà avec le Centre Industrie 4.0 de Sfax, donc en collaboration avec la GIZ et l'initiative dont Mme Rim vient de parler. Donc, c'est l'initiative vers l'industrie 4.0 en Tunisie. Et on a eu l'occasion aussi de faire quelques missions avec la GIZ en Allemagne pour découvrir un peu les technologies là-bas. Comme vous savez, c'est l'industrie 4.0 a fait naissance ou bien a été développée, ou bien le premier pays qui a donné naissance à ce concept, c'est l'Allemagne. Donc, on était en 2019 au salon de Hanovre et on a eu l'occasion de toucher un peu les nouvelles technologies et les nouveaux concepts de l'industrie 4.0. Donc, nous, comme société TDS, on est déjà implémenté au Technopôle de Sfax. Donc, on travaille en collaboration avec le Centre Industrie 4.0 de Sfax. Donc, on travaille comme expert indépendant et comme fournisseur de services et intégrateur de solutions. Notre background, c'est l'automatisme industriel. Donc, on est dans le domaine de l'automatisme et les systèmes embarqués. Et de là, donc, on a eu l'occasion de travailler avec Pâtisserie Masmoudi. Donc, qui dit pâtisserie, peut-être, il se pose la question, où est la technologie dans tout ça et qu'est-ce que l'industrie 4.0 vient faire dans la pâtisserie? Eh bien, moi-même, j'étais très étonné par les process donc, et la chaîne de valeur qui est dans cette pâtisserie. Donc, si on parle de l'industrie 4.0, généralement, on a dans la tête la robotique, l'automatisme et tout ça. Mais je pense au niveau de la Tunisie, on doit un peu aller tout d'abord dans la digitalisation avant de passer au niveau supérieur. Donc, l'avantage de la digitalisation au niveau pâtisserie, c'est très important, puisque
Comme vous l'avez vu tout à l'heure sur la vidéo, donc, il y a des fiches manuelles qui sont en train de remplir et après, elles seront saisies au fur et à mesure sur l'ERP. Et bien sûr, ça peut causer beaucoup d'erreurs de saisie manuelle et beaucoup de perte de temps. Donc, on a fait une mission de diagnostic. On a vu pratiquement plusieurs process dans la chaîne de valeur et on a décidé de commencer par le début. Donc, si je vais vous donner un peu le concept, donc il y a le triage de la matière première, après le broyage, la création de la pâte, le formage et après la pâte elle sera dans le four et après il y aura l'emballage et la livraison. Donc on a vu que il faut commencer par la phase de triage. Donc la matière première, loose, sucre, etc. Donc ils font le triage et après ils font le stockage dans des sacs. Donc déjà ils ont le premier problème que le poids des sacs il n'est pas homogène. Et le deuxième problème, à chaque fois on doit écrire avec la main une étiquette et la coller sur le sac et après aller à l'ERP pour faire la saisie. Donc il y a beaucoup de redondance dans le process. Donc la solution était quoi? Était de faire une balance connectée. Donc la balance, une fois on a le poids désiré, donc le réglage donc désiré, donc la balance elle va automatiquement se connecter avec l'ERP et elle va remplir la ligne de façon automatique sur l'ERP et elle va générer l'étiquette qui va être collée après sur le sac. Donc de cette façon, il y a eu vraiment un gain de temps et une minimisation en termes d'erreurs de saisie et au niveau homogénéité des poids des différents sacs. Et bien sûr, la traçabilité, qui fait quoi, quel ouvrier travaille sur quelle machine, quel OF, quelle date, quel sac. Donc on a vraiment tous les détails nécessaires. Et avec ça, on a ce qu'on appelle le management visuel. Donc, c'est une façon de dashboarding en temps réel. Donc, on a un écran, un grand écran dans l'atelier où les ouvriers et les chefs de production ils peuvent suivre en temps réel la production au niveau atelier. Donc, de cette façon, tout le monde ils ont les données en temps réel. Et bien sûr, l'information elle est instantanément alimentée au niveau ERP. Voilà, donc c'est la phase numéro un que nous sommes en train de développer. Et bien sûr, avec l'ambition de la pâtisserie Masmoudi, donc ils veulent vraiment aller plus loin et généraliser le process sur toutes les autres, projeter les solutions sur tous les autres ateliers. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Juste, on sait qu'ils sont équipés en ERP, qu'ils sont équipés, bien sûr, par des solutions e-commerce. Bon, ils ne sont pas là pour répondre, mais je sais que vous connaissez très bien l'envers du décor, mais ce n'est peut-être pas ça ce qui fait une industrie 4.0. Par contre, ces solutions d'automatisation, vous êtes un spécialiste, ils contribuent largement. Alors, juste parce que je sais peut-être qu'il y a d'autres groupes qui nous regardent, choisir l'exemple du pâtisserie, c'est excellent, c'est percutant, parce qu'on se doute même, ouais. Comme vous l'avez dit, on pense à Barclay ou à CAC, quoi. Ouais. Alors aujourd'hui, pour sortir peut-être du monde de la pâtisserie, juste une petite question, ensuite on va passer au pitch start-up. Comment ça peut être appliqué? Il y a la question de quelqu'un qui est en train de nous suivre, qui l'écrivait en tunisien. Après, Wakhtej Pichib d'Hellemt, j'avais le temps. Voilà, c'est une question qui peut paraître simple, mais probablement compliquée. Oui. Je complique un petit peu la tâche pour vous, pour y répondre. Comment, oui. Je pense, derrière sa question, réellement, quand est-ce qu'on peut parler d'industrie 4.0 et comment on peut réellement mener cette transformation et ne pas rester dans les slogans? Oui. En fait, il n'y a pas une solution industrie 4.0. Donc, vraiment, c'est le cas par cas. Chaque industrie, elle a ses propres problèmes.
et elle doit résoudre ses problèmes à sa façon. Donc, mais si on va prendre l'exemple du contexte industrie tunisien en général, donc nous, si vous vous rappelez, il y a 20 ans ou bien 30 ans, tout le monde il achetait des ERP avec 10 millions et après il les laisse à côté et il développe des solutions sur mesure. Donc, ils payent des centaines de millions pour des ERP qui ne sont pas adaptés à leurs besoins. Après, ils laissent ces ERP à côté et ils développent des petites solutions selon leurs besoins. Donc, d'ici, on doit apprendre la leçon. On ne doit pas aller dans des solutions gigantesques et on dit, voilà, on va rendre notre industrie 4.0. Non, ce n'est pas ça. On doit attaquer le sujet petit à petit. Et vraiment développer des applications ou bien des solutions sur mesure. Donc, si je vais un peu expliquer le phénomène, généralement... Justement, si Walid, je ne sais pas si c'est là où vous y alliez, mais juste pour pouvoir rebondir, si on devait simplifier, justement, vous avez dit commencer, donc à la limite, comme on dit en anglais, think big, start small. Donc, commencer quelque part, il faut bien commencer. Exactement. Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il y a des petits chantiers communs à différentes industries par lesquelles on peut commencer déjà? Notre problème, déjà, il y a deux niveaux où il y a vraiment un gap entre les deux. On a le niveau production, il y a des ateliers, même s'ils sont équipés de technologies et des automatismes, ils n'arrivent pas à communiquer avec le niveau supérieur qui est le niveau management. Donc, c'est ça le problème. Si le directeur, par exemple, ou le propriétaire, il veut savoir, par exemple, si je prends le cas de pâtisserie Masmoudi, il veut savoir, ils sont en train de produire. Il ne peut pas le savoir. Il doit descendre à la production et voir sur place. Donc, c'est ça le problème. Donc, il faut créer le trait d'union entre le niveau management et le niveau production. Et ça, c'est le cœur de l'industrie 4.0. Donc, on doit vraiment aller à la collecte de données. Donc, c'est la digitalisation, en fait. On doit collecter le maximum de données et les mettre à la disposition des ERP et des autres outils de management et qui nous aident, qui nous assistent à prendre des bonnes décisions dans l'entreprise. La voix... Le micro, je n'arrive pas à entendre. Allô? Merci à vous. Merci, c'est Walid. Merci à vous pour votre intervention. Pas de mal, restez avec nous. On aura peut-être besoin de vous écouter de nouveau. Alors, je vais passer tout de suite à la session de pitch startup. Trois pitchs, comme toujours, comme à chaque fois. Donc, aujourd'hui, c'est la sixième session de LinkedIn. On a eu sur plusieurs sujets comme la Critech, etc. Aujourd'hui, c'est la séance Pitch Startup consacrée à l'industrie 4.0. Alors, je vais commencer dans l'ordre tel qu'il a été énoncé dans le programme et on commence par M. Meir Charpelou, CEO de Optima Logistique. Vous avez 3 minutes. Meir Charpelou. Donc, je vais me permettre de partager mon écran. Comme ça, j'ai un petit pitch deck à vous montrer. Voilà, dites-moi si vous pouvez voir mon écran. Très bien. C'est bon? Parfait. D'accord. Donc, je me présente, je suis Meir Charpelou, Optima Logistique. Donc, la solution Optima Logistique est au cœur de l'industrie 4.0, voire la logistique 4.0. Et notre objectif, c'est de digitaliser et optimiser le coût de transport terrestre pour les sociétés de transport et bien sûr pour les industriels et les sociétés d'IFA en général. Donc aujourd'hui, plus de 60% des camionneurs donc retournent vides ou circulent partiellement vides dans les routes. Et de l'autre côté, les entreprises donc, trouvent énormément de problèmes et investissent énormément de temps, d'argent et d'énergie, surtout pour livrer les marchandises non prévues. Donc, Optima Logistique, elle a donné comme solution un matching intelligent entre les offres et demandes de transport terrestre, bien sûr, en utilisant la technologie comme l'intelligence artificielle.
Nous offrons à nos clients industriels une plateforme en mode SaaS, cloud. Ça leur permet de digitaliser tout le process à partir de la réception de la commande depuis le client. Ça peut être connecté, bien sûr, à travers un plugin, à travers, par exemple, SAP ou n'importe quel ERP. Et l'usine reçoit la commande et planifie la livraison d'avance. Et comme ça, on peut gagner et avoir une visibilité tout au long de la commande jusqu'à la livraison finale chez le client. De l'autre côté, on équipe les transporteurs par une application mobile pour permettre le partage en temps réel des informations sur la disponibilité, sur la position géographique, bien sûr d'autres informations. En plus, on peut équiper aussi les transporteurs avec des capteurs GPS intelligents et d'autres matériels qu'on peut citer après. Donc, Optima Logistics, c'est la nouvelle génération de société de transport. On n'a pas des camions, on a zéro camion. Par contre, on offre un service clientèle de haute qualité qui permet la standardisation des prix de transport, une information en temps réel de la livraison, un système de notation pour les chauffeurs et une base de données fiable de transporteurs certifiés sur toute la Tunisie avec une base dépassant maintenant le 600 camions. Notre modèle financier se base sur un abonnement en mode SaaS mensuel pour les entreprises, un package complet. Et pour les sociétés qui ont besoin de louer des camions, on l'offre. Pour les transporteurs, on applique une commission. Notre marché, bien sûr, c'est surtout l'Afrique et la partie méditerranée. Il est évalué à plus de 180 milliards de dollars. Comme vision, on mise sur la position géographique de la Tunisie comme un hub entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne et comme un scénario d'optimisation de l'export, une livraison en exportation depuis de l'Allemagne vers le Mali, elle peut passer par la Tunisie et bien sûr, en utilisant un système de transport terrestre, on peut gagner jusqu'à 30% en termes de temps et de coût. Actuellement, on a une base de données de plus de 600 camions, plus de 60 sociétés industrielles qui ont travaillé avec nous et plus d'un chiffre d'affaires mensuel de plus environ 20 000 dinars. Actuellement, on a validé l'idée. Ce n'est pas une idée, c'est un start-up qui est déjà valorisé et qui est validé. On travaille avec la plupart des groupes comme Polina, Derbicom, Cotube, SmartStat, des sociétés pétrolières et même au niveau de santé, la pharmacie centrale. Pour les 18 prochains mois, comme objectif, on a mis comme objectif inscrire plus de 400 entreprises, aussi abonner plus de 2500 camions avec une capacité de 7500 retours à vide par mois. Et un revenu mensuel de 200 1000 dollars. En tant que startup aussi, on est en recherche d'investissement. C'est pour cela on est dans la troisième phase de levée de fonds et on est à la recherche de 3 millions d'euros afin d'étendre notre activité sur la partie méditerranée. Et bien sûr, pour faire cela, on a besoin d'une équipe complémentaire. Moi-même, je suis à la base ingénieur de formation, 10 ans en termes de projet, chef de projet digital. Mais en même temps, quand j'ai exercé le logistique pour 4 ans, je suis devenu double casquette, on va dire, logisticien, informaticien. Bien sûr, avec nous, on a plusieurs compétences diversifiées, que ce soit en management, en commercial, en technique et des consultants en logistique. En anglais, let's optimize together logistics for a better life. Juste comme note, Optima Logistics, elle a gagné plusieurs compétitions internationales. On a été élu meilleure société locale Sidstar en 2018. On est allé pour Startup Germany en 2018, The African Invest pour 2019, Jetro, Flatis Lab. Aujourd'hui, on a deux investisseurs avec nous. Des investisseurs japonais, People Fund et Flatis Lab comme accélérateur. Voilà, merci.
Merci, Yatik Saha. Merci pour ce pitch, Monsieur Mel Chakhloul, CEO Optima Logistique. On passe au pitch suivant avec vous, Monsieur Khaled Ben Yahya, CEO de Sam Test and Automation. Bonjour tout le monde. Bonjour Sigossim, bonjour Sir Kais, bonjour Amel, bonjour tout le monde. Alors, je suis le même Khaled Ben Yahya que l'année dernière. J'ai juste inversé un peu les cheveux avec la barbe. Pour ceux qui vous connaissent auparavant. Depuis le 1er janvier, je suis à la tête de SAM, Test and Automation, et je suis aujourd'hui de partager avec vous une présentation de quelques slides. Partager, ça se fait ici. Right. Alors, est-ce que vous pouvez voir la présentation? Maintenant, ça veut dire que c'est un oui. Alors, Sam Automation, c'est une entreprise qui a été créée en 2013, une société totalement exportatrice, résidente ici en Tunisie, avec un capital de 1,8 million de dinars, quelques 50 de collaborateurs, la moitié sont des ingénieurs, et le reste c'est des techniciens. Et en nous opérant dans la conception et le développement des solutions software pour des machines automatiques, pour des clients dans les secteurs automobile, aéronautique et consumer electronics. Dans ce slide, je vous montre les produits que Sam est en train de produire. À la gauche, il y a des tests fonctionnels, les testeurs fonctionnels. Sont des produits standards de SAM pour tester les cartes électroniques, les PCB. Et puis, nous développons aussi les end-of-line testers. Ce sont des produits à la fin d'une ligne de production qu'on teste la fonctionnalité. Et puis, SAM s'est spécialisé dans les dernières années sur les lignes d'assemblage, telles que vous le voyez en stand-alone avec un convoyeur dans une ligne d'assemblage. Comme vous voyez, c'est le domaine par excellence de l'industrie 4.0. Si là, on combine parfaitement les trois disciplines, software, hardware et mécanique. Et on profite bien évidemment de la dynamique du secteur automobile pour développer des solutions innovatives dans le secteur l'industrie 4.0. Voilà. Je voulais juste... Alors, qu'est-ce qu'on a sur SAM? C'est les key competences à SAM, c'est certainement une polyvalence technique. C'est là où on touche surtout les trois disciplines, mécanique, hardware et software. Nous avons un très bon feeling pour les tendances du marché, surtout automobile. Il faut l'avouer, nous avons une petite affinité pour le secteur. Et puis, ce qu'on sait faire, et c'est là où on excelle, c'est une maîtrise exceptionnelle des outils de transformation digitale dans l'industrie. Alors, là, il faut faire très attention. L'industrie 4.0, ce n'est pas juste l'automatisation des robots et tout ça. C'est un peu plus que ça. C'est une couche d'intelligence au-dessus qui arrive à lire les données du système de production. Et puis, on dote cette couche d'intelligence de façon qu'elle est capable de prendre des décisions toute seule. C'est là où on crée de l'intelligence artificielle et SAM s'est spécialisé dans ce secteur-là. Alors, la première chose, c'est comment déduire les données, puis injecter de l'intelligence artificielle pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Ça, c'est quelques clients avec lesquels on travaille. Vous avez remarqué qu'il y a une affinité pour le secteur automobile. Si cela empêche, au niveau de SAM, il y a une certaine ouverture pour d'autres secteurs, pourvu qu'il y a une certaine prédisposition à s'engager pleinement dans cette transformation digitale de l'industrie. On remarque encore un peu de conservatisme dans l'industrie textile, par exemple en Tunisie, ou l'industrie pharmaceutique. On parle assez souvent des ERP et tout ça. Mais on ne touche pas encore vraiment au cœur de la transformation digitale de l'industrie. Les premiers pas sont prometteurs, mais ils ne sont pas suffisants.
Alors, je passe par l'occasion le message. Les entreprises qui désirent se lancer dans cette aventure de la transformation digitale sont pleinement ouvertes à ce genre d'aventure et looking forward for invitations. Merci. Merci à vous. Merci pour ce pitch. Alors, comme je disais, vous pouvez voir, il pourrait y avoir des questions parfois dans les Q&A. Sinon, je vais revenir, on va essayer d'y répondre oralement. Alors, on va passer à notre dernier pitch pour aujourd'hui, pour cette session de Pitch Startup. Et c'est le moment de Be Wild Solution et de Madame Hanen Karina. Merci, Sérad Benyahia, pour ce pitch. CEO de Sam Test et Automation. Donc, Be Wild Solutions, la parole est à vous. Alors, merci à tous. La surprise, c'est Monsieur Kerim Kharrat. Oui. Très bien. Alors, je partage également avec vous mon écran. Je tiens à saluer tout le monde autour du call. Et c'est parti pour une petite présentation en 3 minutes des solutions de Be Wild Solutions dans le domaine de l'industrie 4.0. Alors, je vais mettre comme ça, ça va être plus simple. Alors, Be Wild Solutions est titulaire de la licence IoT auprès du ministère des Technologies. Il est titulaire également du label Startup. On a été élu l'année dernière parmi les top 10 African Tech Companies. Et on est leader national sur le marché des objets connectés. Qu'est-ce qu'on fait? On met en place des solutions intégrées, donc du hardware, des boîtiers, avec une plateforme applicative et de la connectivité. Tout ça pour permettre aux industriels, notamment, d'optimiser l'utilisation de leurs ressources. Alors, si on va un peu plus dans le détail de l'industrie 4.0, qu'est-ce que nous faisons? Dans un premier temps, nous parlons aux machines. Plutôt, c'est elle qui nous parle. À travers nos devices, on peut collecter un certain nombre d'informations qui sont fournies déjà par la machine. Ça peut être des contacts secs, ça peut être un nombre de pièces fournies, ça peut être un délai d'exécution, ça peut être un nombre de passages pour le comptage ou en tout autre type d'informations qui sont disponibles dans les machines. Comment on transmet ces informations? On est agnostique au protocole de communication, ça peut être du LoRa, ça peut être du GPRS, ça peut être tout autre type de communication. Et qu'est-ce qu'on en fait? On fait des dashboards qui nous permettent de voir l'état des machines, est-ce qu'elles sont en fonctionnement, est-ce qu'elles ne sont pas en fonctionnement, le temps d'arrêt, les périodes d'arrêt, si elles sont en maintenance ou pas, mais également d'autres types de dashboards qui sont beaucoup plus industriels sur les temps d'exécution, sur les MTTR ou tout autre type d'indicateurs qui sont connus dans le secteur de l'industrie. On peut également connecter des PDA sur les machines pour pouvoir collecter les raisons des pannes, par exemple, et en faire une base de données. Ce qu'on fait également, c'est qu'on mesure la consommation énergétique, que ce soit des machines ou des unités de production, ou des usines, ou des espaces complets de production. Alors, quand on se place au niveau d'une machine, ça nous permet de définir un coût énergétique par pièce même. Ça peut être utile pour la comptabilité analytique. On peut avoir toutes les données historiques qui sont relatives. On peut même simuler les factures au niveau d'une machine ou au niveau d'une usine. On ne fait pas que collecter la consommation énergétique, on collecte également la consommation d'eau. C'est extrêmement utile dans certaines industries. Et on collecte également les informations sur la température, l'humidité, la luminosité au niveau des espaces de travail ou au niveau des espaces de stockage. Qu'est-ce que nous avons déjà intégré comme autre type d'informations, comme autre type de capteurs, des capteurs de niveau, des capteurs d'ouverture de porte, des boîtiers pour commander à distance pour la régulation, des capteurs de pression, des boîtiers pour l'éclairage, des capteurs de mouvement, de présence, des PDA, on l'a vu déjà, les alarmes, les alertes ou les boîtiers de géolocalisation. Qu'est-ce qu'on peut connecter encore? On va utiliser notre slogan qui est « Just imagine we connect ». On est capable d'intégrer n'importe quel type de capteur. On l'a fait dans la piézométrie, on l'a fait pour avoir des informations sur les raisons des pannes dans des industries textiles. On le fait également pour déterminer les raisons des pannes dans le secteur ou pour déterminer la machine la plus efficace et la moins énergivore dans le secteur de l'industrie de
alimentaire. Alors, toutes ces informations sont collectées au niveau d'une plateforme qu'on appelait plateforme Pi par BioWireless. La plateforme Pi, on peut englober dedans toutes les informations qui ressortent de tous les capteurs que j'ai cités précédemment, avec des informations sur les données historiques, un détail complet de l'historique d'une façon illimitée, la possibilité également de faire une analyse des données, de comparer des périodes, de comparer des espaces, la possibilité de localiser le comportement de chaque machine quand on est dans des installations multisites, la capacité de créer des zones et de faire des alertes par zone ou des commandes par zone. Les alertes, c'est soit au niveau des produits quand il s'agit du stockage, soit au niveau des espaces, voilà, des sous-espaces, voilà, des machines. Et on peut mettre en place des rapports, soit immédiats, soit programmés, qui sont reçus d'une façon hebdomadaire ou mensuelle. Et on permet également, la troisième couche, c'est la régulation, c'est pour pouvoir commander à distance, soit en fonction de données qui sont pré-insérées, soit en fonction des données qui sont collectées en temps réel. Et là, j'en profite pour insister sur le fait que toutes les informations dont je viens de parler sont des informations qui sont collectées en temps réel et d'une façon non filaire, d'où le nom de Be Wireless Solutions. Donc, toutes les informations dont je vous ai parlé sont, ou tous les capteurs dont je vous ai parlé sont des capteurs qui sont non filaires. Bien évidemment, il y a la possibilité de gérer les accès, les comptes et les sous-comptes. Nos partenaires, on a quatre partenaires commerciaux, Tunisie Télécom, ATI, Sotetel et Topnet. Donc, c'est le groupe Tunisie Télécom qui est partenaire de BeWireless Solutions commercial. Et on a un partenaire technologique qui est la Sopal, parce que depuis une année maintenant, plusieurs entreprises nous font confiance pour fabriquer des pièces spécifiques pour leur production ou pour leurs produits. Dans le cas de Sopal, ça a été le challenge de mettre en place une solution qui était 10 fois plus efficace avec 50% de réduction sur le coût. Challenge relevé, et depuis, Sopal est non seulement partenaire, mais également client, comme tous les autres clients que vous voyez dans la slide ici, chacun dans son secteur. Pauline a pour les solutions énergétiques, Chéri a pour une solution complète autour des poulaillers, Tunisia Fresh Season pour une solution autour de l'agriculture, mais dans le secteur industriel, ça peut être dans l'agroalimentaire avec la filiale de Tunisia Fresh Season, ça peut être également dans le cas de Pauline et dans l'industrie agroalimentaire également. Pour la sonnette, c'est un peu spécifique, c'est le suivi des stations de pompage, IAT, c'est dans la fabrication industrielle, et plein d'autres, je ne vais pas les citer tous. En tout cas, aujourd'hui, ce que nous avons sur le marché, c'est une plateforme qui peut recevoir n'importe quel type d'information provenant de quasiment tout type de capteurs et la possibilité d'analyser les données ou de les utiliser à des fins d'intelligence artificielle, qui est le challenge technique que nous sommes en train de mettre en œuvre. Voilà, je terminerai par le fait qu'on est à peu près, très exactement, 25 personnes travaillant chez BeWireless, principalement des ingénieurs, et que nous finissons l'année 2020 avec une progression de chiffre d'affaires d'à peu près 150%. C'est vous dire le nombre de clients qui nous font de plus en plus confiance. Merci à vous. Merci à vous, M. Kalim Khaled. Merci de nous avoir rejoints pour cette session. Juste par curiosité, vous avez cité quelques marques. Je vois une clinique également. Donc, sur quoi vous travaillez avec cette clinique? Alors, pour les cliniques, c'est la chaîne de froid qui est très importante. C'est les cliniques et les laboratoires pharmaceutiques. C'est la chaîne de froid qui est très importante. Et il faut un suivi qui est permanent des seuils à ne pas dépasser au niveau des... des cliniques, et on est en phase de mettre en place une solution complète pour la pharmacie centrale, par exemple, et ça tourne autour de la chaîne de froid, du respect de la chaîne de froid. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de collecter des données, mais c'est d'envoyer des alertes en cas de dépassement de seuil, et la capacité d'agir à distance de chez soi, de par son téléphone portable ou de son ordinateur, pour actionner ou réguler des choses qui se passent réellement sur le terrain. Vous imaginez ce que ça peut générer derrière comme gain de temps et de ressources. Très bien, merci à vous. Merci, M. Kalim Khalalat. Il y avait une question tout à l'heure pour M. Maher Chakroun par M. Mohamed Ashraf Tuil, mais je vois qu'il a déjà répondu. Pardon.
Donc, je ne sais pas si ça peut peut-être, pour ceux qui ne l'ont pas vu, peut-être très rapidement, Mel peut répondre en quelques secondes. Alors, la question, c'était, est-ce qu'ils peuvent être des transporteurs indépendants? Vous pouvez prendre 10 secondes pour répondre rapidement. Ça peut servir peut-être à d'autres personnes. Et à chaque moment, ensuite, on passe à notre culture. Oui, merci, Sim. Donc, bien sûr, donc, nous, on a fait le modèle interne, on a d'une part les sociétés de transport. Donc, transporteur, j'ai mis qu'on, quelqu'un en particulier qui a un camion, voilà une société qui a, on va dire, une cinquantaine de camions, que ce soit la grandeur de la société, la plus importante, c'est la qualité. Et nous, c'est notre objectif, c'est de digitaliser leurs process et leur activité. Merci à vous. On va enchaîner juste très rapidement. Sihad Ben Yahya, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vous avez pitché tout à l'heure, par rapport à ce que vous avez écouté de part des autres startups, si vous voulez interagir sur une question, on peut vous donner également quelques secondes. Votre micro. En fait, je trouve ce genre de rencontre extrêmement passionnant. Et c'est la remarque de tout à l'heure de Mel Saïden. Ce qui manque en Tunisie, c'est cette effervescence de l'écosystème, de cette scène de start-up, des acteurs dans l'industrie. Et je trouve ce genre d'événement absolument ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait entreprendre pour créer ce réseau. Et il faut injecter un peu plus d'énergie. La GIZ fait déjà beaucoup d'efforts dans ce sens, mais il faut injecter encore beaucoup plus d'énergie pour créer cette effervescence dans l'écosystème et créer des collaborations entre les startups et pas juste entre les startups, et encore avec les grandes entreprises établies ici en Tunisie pour créer cette interaction qu'on désire voir en Tunisie. Merci à vous. Merci Sihad Ben Yahya. Merci Simel Chakroun. Sihad Ben Yahya, CEO Sam Test and Automation. Simel Chakroun, CEO Optima Logistique et le CEO de BeWild Solutions. Monsieur Karim Kharrat, bravo à vous trois. Une très belle présentation. Et puis, on se rend compte de toutes ces compétences. Moi, il y a quelqu'un qui me disait, pas plus tard qu'hier, il me dit, ah, si on nous donnait cette chance avec toutes ces startups, cette innovation dans cet écosystème entrepreneur, toutes ces compétences, et ben, en 3 années, on peut transformer ce pays à 100% avec des compétences tunisiennes. Et on en a vu quelques échantillons depuis tout à l'heure. Vraiment bravo à vous trois et à toutes vos équipes et ceux qui essayent de se lever tous les matins et de changer ce pays et de mener cette transformation digitale. Last but not least, on termine à chaque fois, avant bien sûr le mot de clôture, avec la session de pitch entreprise. Et on va partir du côté de Madame Safé Mensi et de ETC Group. Kedmalik, la parole est à vous. Donc, voilà, vas-y. Bonjour à tous. Ouais, salut. Bienvenue. Et je m'excuse si Monsieur Mohamed n'est pas là avec nous, mais il va nous rejoindre après. On vous entend. Allez-y. D'accord. Alors, je commence cette présentation. Je pense que l'écran est partagé déjà. Oui, parfait, on le voit. Alors, donc ETC Group, on commence par une présentation, une brève présentation du groupe. C'était une compagnie de textile, de confection. Elle est datée de 1987 et spécialisée dans les jeans sportswear de tous les genres, de tous les âges. Donc, c'est un groupe de 5 compagnies. Et ses activités principales, ce sont le développement et la confection des articles organiques, écologiques et conventionnels. Voilà, des articles. Ici, ce sont les principaux locaux du groupe. Elle est assise à Jamel et ici la production c'est à Zardy.
Donc, notre vision stratégique, on se concentre sur la satisfaction des clients, essentiellement. On se concentre aussi sur l'innovation, la digitalisation et aussi sur un engagement sociétal. Nos principaux clients, ce sont les marchés anglais, principalement le marché européen, mais le marché anglais, le marché hollandais et français. Voilà, donc l'entreprise ETC Group, comprend plusieurs certificats, comme la SAUMI, c'est un certificat social de responsabilité sociétale, et l'ISO 9001 de qualité. On a aussi le GOTS des articles organiques. On est membre de la plateforme BCI, ECDEX, ensuite ICS. Donc ici, on a abordé pas forcément des problèmes, mais on se concentre sur trois majeures problématiques. Donc à savoir la lecture de rendement, la collecte de rendement dans les chaînes de production. Avec deux chaînes. Oui, avec deux chaînes, c'est ça. Avec deux chaînes code à barre, on traque le rendement par ligne. Par poste, voilà. La deuxième problématique, c'était le contrôle de nuances de tissu. Et après, on contrôle le shading des produits finis après lavage. Donc ça, c'est un problème parce que l'activité s'est basée sur des efforts physiques, des efforts humains. Donc le problème était tout le temps fixé sur le visuel. Voilà. Donc c'est un effort. Voilà, donc tout ce qui est détecte de défauts des tissus, de matières premières et de produits finis après lavage. Pour dérouler les tissus. Oui. Sur la table visiteuse pour le contrôle tissu, voilà. Après, on a abordé la problématique du digital sampling, c'est la collection 3D et la présentation digitale des collections. Oui, après le Covid, on n'a pas des visites clients, donc il n'y a pas des présentations physiques de collection. Donc les clients, c'est avéré que la présentation 3D était essentielle. Oui, surtout on travaille avec des matières comme le jean, ils nécessitent une démonstration physique de volume. Voilà, donc c'est montré en 3D et les portées, donc pour savoir le fit et le look général des produits. Outlook du produit. Voilà. Donc tout ce qui est, j'ai mis quelques exemples pour la première problématique. Déjà, j'ai expliqué comment ça se passe pour la douchette code à barre pour la mesure du rendement. Donc, la fille qui traque le rendement, elle a besoin de 20 à 30 minutes pendant 2 heures pour avoir le résultat. Donc, c'est une perte de temps et d'effort. Il n'y a pas essentiel le process costing, il n'y a pas un suivi de rendement et d'analyse d'investissement. Pour le shading et le contrôle de nuances, on se concentre sur le tableau suivant parce que on voit ici que le taux de productivité il est un peu plus bas lorsque le taux de retouche il est un peu élevé.
Il est moyennement élevé, c'est pas trop élevé, mais c'est le retour pour faire des de retouches. Oui, c'est une perte de temps pour faire le retouche, pour faire le retour de la marchandise pour des délaveurs, pour faire le retouche de nuances dû à un contrôle insuffisant dès le début de la matière. Pour la troisième problématique, on a travaillé sur des catalogues en ligne pour la présentation de notre collection aux différents marchés. Donc, on a fait un catalogue de shooting. Voilà, donc ici, j'ai mis une comparaison des taux de sampling, d'échantillonnage. Donc, le taux de concrétisation s'est avéré qu'il est assez faible pour des quantités d'échantillonnage et un peu élevées. Donc, le taux entre 30-36% dans l'année 2019 de concrétisation, voilà. Donc on finit par les projets qui sont en cours de réalisation. Premier projet qui est l'installation et l'intégration d'une unité de délavage dans le groupe. Donc l'installation de surtout des machines qui vont être alloués pour des productions écologiques et organiques. Tout un site qui va être installé. L'implantation d'un système intégré, d'un nouveau système intégré qui est l'SAP S4HANA. C'est une nouvelle version hébergée sur cloud. Et voilà, donc les douchettes Codabar ici dans les lignes de production et dans les magasins de tissus et de fournitures d'accessoires. Donc ça, ce sont les principaux projets qui sont en cours de réalisation cette année. Et voilà. Donc merci pour votre attention. Merci d'avoir nous contacté et de votre présence. Merci à vous. Merci pour ce témoignage, Madame Safé. Mais c'était prévu que ce soit Assez Mohamed. Donc bravo, hein, vous avez improvisé last minute pour le remplacer, donc dignement remplacer. Ça fait merci. Juste avant de passer la parole à M. Kais Salem et Mme Amès Eden pour la clôture de ce webinaire, cette sixième édition de LinkedIn en digital, en attendant la grande messe, peut-être qu'ils vont nous en dire un petit peu plus, ça se clarifie pour la rentrée. Madame, ça fait même si vous aviez un conseil à donner, justement, et si vous aviez un besoin peut-être à exprimer, on sait qu'il y a pas mal de startups qui peuvent aujourd'hui collaborer avec vous. Vous avez suivi tout à l'heure certainement la session de pitch. Est-ce que vous avez des besoins spécifiques que vous pourrez exprimer aujourd'hui, peut-être par rapport à votre entreprise pour son développement dans le cadre de cette logique LinkedIn d'Open Innovation et des besoins spécifiques peut-être que pourraient vous apporter certaines startups qu'elles soient présentes ici. Si vous avez un besoin ou deux ou trois, exprimer. On est preneur comme ça, on est un petit peu constructif. Et on ne sait jamais, on a vu la magie se faire dans des éditions précédentes, on a vu des couples entre guillemets naître de ces sessions de LinkedIn, donc pourquoi pas, peut-être vous avez un besoin à exprimer. À part les projets abordés, donc à part les problématiques abordées, vous comptez avoir d'autres projets? Oui, tout à fait. C'est un besoin spécifique là, maintenant, que ce soit par rapport à des solutions que vous avez vues présentées par des startups tout à l'heure ou dans l'absolu. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous voulez partir, vous voulez aller, dans lesquels vous avez besoin d'être accompagné peut-être par une startup ou par un prestataire? Oui, en fait, après le témoignage des startupeurs, pour la partie logistique surtout, c'est très intéressant d'avoir une plateforme de gestion optimale des flux de logistique, surtout qu'on a un flux de logistique qui est assez énorme
assez consistant. Donc, la gestion, elle doit être optimisée et voilà, performante. On doit avoir plus de suivi sur les coûts surtout et le timing. Donc, un projet pareil, je pense qu'il va être bénéfique pour nous. Aussi pour les solutions digitales de BYLS Solutions. En fait, je ne sais pas s'il y avait un besoin spécifique. Surtout sur la conception 3D des collections. Très bien. Merci en tout cas. On reste à votre disposition, enfin toute l'équipe Link4In. Je pense que vous connaissez très bien, vous pouvez vous rapprocher dans l'initiative Link4In si vous avez des besoins spécifiques. Voilà. Peut-être avant de donner la parole, que ce soit si Kalim, si Khaled, si Meher, on va inverser l'exercice. Est-ce que l'un d'entre vous, par rapport à ce qui a été présenté par Madame Safé, verrait un potentiel de collaboration peut-être pour vous, même pour d'autres startups? On sait que cet écosystème est très généreux, vous connaissez entre vous, donc c'est pour le bien justement de cette industrie tunisienne. Donc je ne sais pas si l'un de vous souhaite prendre la parole, même si c'est les trois, mais vraiment c'est quelques secondes, hein. N'hésitez pas. Je suppose que je commence en premier vu que je suis passé en dernier tout à l'heure. Oui, enfin, il y a des intérêts qui peuvent être dégagés. On a parlé de la maîtrise des coûts, donc ça c'est un élément sur lequel on peut intervenir, notamment sur tout ce qui est coûts énergétiques, sur le comptage également, sur la solution de douchette. Il y a déjà quelque chose que nous sommes en train de faire pour la gestion des stocks. Mais ça nécessite un peu plus de développement et un peu plus de compréhension du besoin. Et je comprends parfaitement qu'en 3 minutes, on ne peut pas exposer tout le besoin. Mais c'est déjà très clair ce qui a été dit. Carrément. Je vois des pistes de participation, de collaboration. Voilà, très bien. Je ne sais pas si Mehdi, si Khaled, vous souhaitez prendre la parole, sinon ben, allez-y. Allez-y. Oui, Bassim, je joue en tant que mon collègue. Donc, l'industrie 4.0, c'est vraiment à cette époque, donc vraiment, c'est quelque chose de un must. Donc, on n'est pas permis, donc en 2021, de perdre du temps, voilà, de l'argent à cause d'interruption ou voilà, un problème au niveau de la chaîne de production. Donc, on a donc Optima, pour Optima Logistique, comme elle a donc évoqué, donc, on essaie donc, que ce soit d'offrir que ce soit une base de données de transporteurs fiable avec les conditions donc évoquées, que ce soit pour l'import-export, voilà, même pour la collecte de matières premières. Et bien sûr aussi, même s'ils ont aussi leur propres bases de données de transport, on peut les équiper avec la technologie nécessaire pour leur permettre de traquer, de suivre leur livraison donc en temps réel. Voilà. Sébastien, en fait, ce n'est pas une remarque dédiée à Madame Safer. Par contre, c'est une remarque d'ordre général. L'année dernière, l'année de la Corona, 2020, l'Allemagne a fait une croissance économique de 1, quelque chose grâce à une croissance extraordinaire dans l'industrie. Et ça, c'était grâce en fait à les premiers fruits de la transformation digitale ou de l'industrie 4.0 en Allemagne. Et je dis ça parce qu'il y a des flux, il y a des mouvements qu'on observe maintenant sur le niveau international, surtout dans le textile. Comment la Chine se détache de cette industrie pour le moment, comment les commandes sont en train de revenir à la Tunisie, à l'Égypte. Mais il y a la Chine qui se prépare aussi pour sa transformation digitale et pour l'industrie 4.0. Ceci dit, si on n'arrive pas à réussir rapidement notre transformation digitale, si on n'arrive pas à réussir cette révolution industrielle, les commandes vont revenir en Chine et en Europe
et on va devoir baisser encore une fois le dinar pour être concurrentiel ou carrément sortir du marché. Alors, c'est bien d'être enthousiaste pour ce genre d'entreprise, pour ce genre de réflexion, j'aimerais bien partager cette remarque, c'est qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour expérimenter. Il faut passer, il faut réussir rapidement cette transformation digitale. On n'a pas beaucoup de temps. Merci pour ces remarques. Merci à vous toutes et tous pour vos interventions. Bienvenue dans la famille Leak4In, pour ceux qui assistent pour la première fois. Et au plaisir de vous retrouver pour ce grand événement, certainement. On sera un plaisir de renouer un petit peu, au moins en format hybride, avec les rencontres. Bravo à toutes et à tous. Alors, je cède tout de suite la parole à Madame Emel Saïden, ensuite Cyprien Selemi ou vice-versa. Président de la Fédération du numérique, Fédération nationale du numérique à l'UTICA, et Madame Messeden, présidente de Tunisia Startups. Et on va terminer avec Madame Messeden. Je donne la parole à Cyprien. Okay. Merci Wassim, merci Optima, Be Wireless, Sam Testing Automation, le groupe ETC et Patrick Masmoudi. En fait, pour faire le lien avec ce que vient de dire Khaled Bnihia, je pense qu'on est vraiment en plein, sur le feu de l'action. On est dans l'action, parce que c'est vrai, on parle beaucoup de transformation digitale, mais nous, on l'a choisi justement depuis un moment, depuis l'initiative Leak4In a commencé il y a presque une année maintenant, et on a choisi de passer à l'action et sortir des discours et passer vraiment à l'action. Et on vient de voir du concret, là, on vient de voir des vraies innovations concrètes, industrielles, et on vient de voir des vrais besoins industriels à travers le groupe ETC. Et donc, c'est du concret qui laisse penser justement les startups qui viennent d'intervenir, mais aussi d'autres startups qui sont probablement participants avec nous maintenant. Et l'objectif, c'est aussi de passer le message à d'autres groupes et d'autres industries qui ne sont peut-être pas encore très conscients de l'importance de ce digital, pour voir des exemples d'innovation qui parlent logistique, qui parlent capteur industriel, qui parlent relation entre la machine effectivement industrielle et le soft, et tout autre besoin, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la logistique, au niveau de business intelligence, au niveau d'intelligence artificielle, par rapport à l'amélioration du rendement industriel, par rapport à pouvoir déployer d'autres business au niveau industriel sur l'international. Le cas du textile, le cas de BTC qui travaille avec l'Angleterre et avec beaucoup d'acteurs anglais, en tout cas. Donc ça, c'est du concret. Et l'objectif après, c'est de... Si on était en événement physique, d'ailleurs, je pense qu'on aurait eu les deux ou trois startups qui viennent d'intervenir directement rentrer en pause café, en pause dans le deal room avec le groupe ETC pour avancer dans la discussion. Donc, moi, j'invite maintenant le groupe ETC et les différentes startups qui, bien sûr, proposent des solutions concrètes aux besoins et aux problèmes que vient de citer Madame Safa, que je remercie, de rentrer en contact concret à travers la Fédération numérique, à travers Tunisia Startup ou en contact direct pour arriver après à des deals. Parce qu'effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a eu des vrais deals, des vraies relations business entre des startups et des entreprises à travers les différentes sessions qu'on a fait dans le passé avec Leak4In. Donc, c'est ça l'objectif. Hein. Ce n'est pas du discours, c'est vraiment notre indicateur, notre KPI, c'est combien de relations d'affaires ou d'investissements ont été signés grâce à cette mise en relation, ce link d'innovation qui vient d'être fait. Voilà, c'est notre objectif ultime. Hein. Donc, l'événement physique, hein, pour en parler, hein, on prévoit de le faire au mois d'octobre, toujours en espérant bien sûr que les choses, que la pandémie bien sûr s'améliore. Hein, donc on l'a reporté, mais en fin de compte, finalement, ça avance à travers le digital, heureusement. On a fait, comme on l'a dit, 6 sessions. On va avancer, on y en aura encore chaque mois, et jusqu'à l'événement physique, donc avec plusieurs startups qui sont présentes, avec plusieurs entreprises de différents secteurs qui sont présentes, et là, il y aura une mise en relation directe et concrète. Voilà, je vous remercie tous. Voilà, je vous remercie aussi, bien sûr, pour cette animation, et je remercie tous les participants qui ont assisté à cette session. Et à la prochaine, Inch'Allah.
Merci. Merci à vous. Merci, Sir Faïs Salemi. Je vois, avant de donner la parole à Amel Saïden, c'est Mohamed, il est avec nous. Je me sens d'avoir vu, c'est Mohamed, juste pour le saluer. Salut tout le monde. Merci, au plaisir. Désolé, j'étais un peu de l'autre côté, dans l'autre room, avec un autre Zoom. Donc, c'est le travail quotidien actuellement, après le COVID. Nous sommes tout le temps donc, en communication. Malheureusement, j'ai voulu assister. Pour développer. J'espère que bon, ça serait le début. Prochainement, Chalakou nous parmi les invités, nos participants actifs. Mais bon, j'ai laissé faire par ma fille, ça fait. Et, bon, et j'espère que bon, on aura la possibilité d'avancer sur cette initiative que je trouve très intéressante, surtout dans la conjoncture là où on est maintenant. Ça devient dans notre secteur en communication avec les clients externes, étrangers, c'est indispensable, ce n'est plus un confort, c'est plutôt une nécessité et un besoin. Nous devons être beaucoup plus réactifs, branchés avec tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est innovation. Nous avons commencé déjà à investir avec l'installation de notre système ERP, la SAP, donc ça c'est nouveau. Nous sommes en train d'installer donc, ce système-là pour être intégré horizontalement et verticalement. Vous allez sortir avec votre voiture. Demandez à l'autre. Donc, c'est l'objectif et c'est le démarche que nous avons opté, la société ici, pour prendre en considération tous les secteurs et intégrer tous les services que nous sommes en train d'exercer dans notre activité. Verticalement, nous sommes de plus en plus intégrés. On essaye d'être intégrés horizontalement pour faire face aux différents demandes de nos clients. Ça serait peut-être une possibilité de mettre en place quelques projets avec les start-ups en tant que innovation qui répond aussi à des demandes exceptionnelles de nos clients, d'être beaucoup plus réactif et beaucoup plus précis en termes de surtout la qualité et nous faisant des produits qui sont un tout petit peu sensibles vu que l'écologie et l'organique devient un pilier important dans notre activité. Donc cela dit qu'il devait être en termes de formation et en termes de traçabilité, très, très pointu. Et nous devons faire attention pour toute traçabilité de nos commandes et de nos produits qu'on livre aux différents clients, parce que ça devient une exigence très particulière, même avec les nouvelles réglementations européennes et internationales. Nous sommes face à des contraintes vraiment qui nous demandent d'avoir les justifs, tous les argumentations pendant des années pour chaque pantalon qui va être fabriqué dans nos usines. Et cela nous pose une responsabilité assez importante. Donc, ceci dit que nous devons avoir un système de contrôle assez rigoureux et assez précis. J'espère que nous pouvons faire beaucoup de choses avec les start-upers dans ce sens-là. Très bien. Excellent. C'est le genre de message qu'on adore, n'est-ce pas, c'est Kaïs. Donc, cette main tendue, voilà, j'espère. Le début, certainement, de belles relations d'Open Innovation. Voilà, Corinne, d'ailleurs, est là pour ça. Alors, tout de suite, je vais céder la parole à Madame Amel Saïden, présidente de Tunisia Startups. Merci, Wassim, et merci pour l'accompagnement et le sponsorship de Express FM aussi pour Link4In. Je souhaiterais souligner deux points pour clôturer. Un, le sense of urgency qui a été évoqué par Khaled, par plusieurs, par Kaïs et plusieurs autres participants, par Meher. On n'a pas de temps à perdre, il faut réellement s'y mettre. Par contre, pour pouvoir réellement s'y mettre et to scale up ce type d'initiative, on a besoin du pouvoir de multiplication, de power of multiplication, que tout le monde s'y mette.
Et là, mon message est orienté aussi à nos entrepreneurs, aux startups qui sont présentes là aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut perpétuer ce momentum, ce mouvement de connexion, de création de valeur, de connexion business? Donc, en tant que Tunisian Startups, on développe aussi, on évolue. Et donc, aujourd'hui, on se propose de créer des task forces par vertical, par secteur d'activité. Donc, on est en train de réfléchir de développer une logique de task force pour l'industrie, industrie 4.0, une task force pour la fintech, etc. Et donc, j'invite les entrepreneurs, les startups, d'une part, à devenir membres de l'association si vous ne l'êtes pas encore, mais aussi de porter ce projet de task force pour justement inclure d'autres startups et créer des connexions systématiques vers l'industrie manufacturière et d'autres industries. L'idée est d'utiliser Tunisian Startups, Link4In et ses partenaires, la Fédération du numérique comme plateforme pour augmenter, pour développer davantage ce que nous avons commencé aujourd'hui. Donc voilà, c'est votre responsabilité aussi, c'est notre responsabilité à tous, parce qu'on est responsable vis-à-vis d'un pays. Voilà, merci encore. Merci à vous, merci à toutes et à tous pour cette sixième édition, encore une fois réussie, donc on espère voir beaucoup de couples, hein, au lieu bien-être. Merci pour votre témoignage, nous avons rejoint. C'est Mohamed, c'est Malakhra. Merci à tous, merci à vous, ça fait. Merci à tous les startups qui ont pu pitcher donc, avec nous tout à l'heure. Que ce soit Sylvain Chakrou, CEO Optima Logistique, Serhat Ben Yahya, CEO Sam Test Automation, c'est Karim Kharat, CEO de Be Wireless Solutions. On sait qu'il y a des choses à faire rien qu'avec ETC Group. Bravo à Omar Ben Masoud, merci d'avoir partagé cette vidéo avec nous et les use case de pâtisserie transposée, Wally Chibli, CEO de Tunisia Development Systems. Bravo à la GIZ et Lim Abjoui qui est avec nous pour nous parler des actions stratégiques de la GIZ sur l'industrie 4.0, la transformation digitale, le son digital, etc. Bravo à toutes et à tous, à tous les partenaires, à vous, Sirhaï Salemi, donc président de la Fédération nationale du numérique, à vous, Madame Ahmed Saïden. Bien évidemment, à la tête de Tunisian Startups, à tout l'écosystème, à nos partenaires, à Express FM et à Medianet, qui assurent le volet technologique, justement, sur ces webinaires à Omal, etc. Bravo à toutes les équipes également de Medianet. Voilà. Merci à vous et on se donne rendez-vous très, très bientôt pour le prochain. En attendant, comme je disais, moi, j'ai hâte pour la grande messe, pour ce grand événement à la rentrée, Inch'Allah, de Link4In. Bye bye. Merci. Bye bye. Au revoir. Merci à vous. Voilà. Au revoir.